Bonjour, bonjour. On se retrouve comme tous les jours maintenant avec l'oracle communiqué avec son ange gardien pour avoir un petit message, une seule carte qui va nous accompagner pendant cette journée, donc de mardi. J'espère que vous allez bien. Moi, à part le temps, ça va, mais franchement, il pleut là, c'est déprimant. C'est déprimant. Non seulement on est enfermé, mais en plus, il pleut quoi. Donc voilà, donc vraiment moi le temps ça me déprime, ça agit beaucoup sur moi les énergies, ça, dès qu'il fait mauvais, j'ai les énergies en baisse. Allez, on va essayer de remonter tout ça grâce à un petit message encourageant de la part des anges gardiens pour cette journée de mardi. Allez, on va prendre celle-ci. On nous dit, enfin en tout cas les anges gardiens vous disent, je t'entends. Oui, je t'entends quand tu me parles, même quand tu ne t'adresses pas à moi directement, je t'écoute. Tu crois que je suis absent parce que je ne fais pas arriver tout ce que tu demandes? Non, je suis présent à toi. Je te réponds seulement que tu dois être patient. C'est vrai que des fois, on parle, hein, on parle à nos anges, on parle à nos protecteurs, on demande des choses et puis bah, ça n'arrive pas. Et on se dit, bah, j'ai demandé ça n'arrive pas, quoi. Et ouais, mais on doit être patient. L'univers, le monde spirituel, il n'y a pas de temps. Hein. Le temps est très, très fluctuant. Donc, il n'y a pas de notion de temps. Donc, du coup, on n'est pas au même rythme. Et parfois, on doute. On se met à douter de notre ange gardien. On se met à douter de nos guides. On se met à douter du monde spirituel tout simplement parce que eh bien ça n'arrive pas dans le temps où on a nous envie que ça arrive mais là ce qu'on vous dit avec cette carte c'est que si vous avez demandé quelque chose on vous demande d'avoir confiance on vous demande d'avoir confiance et d'avoir de la patience votre ange gardien entend vraiment bel et bien ce que vous dites même si vous lui demandez pas expressément quelque chose même si vous ne vous adressez pas directement à lui voilà. Alors, il faut apprendre effectivement ou réapprendre à se confier à lui si on veut faire évoluer les choses, si on veut quelque chose vraiment sincèrement, si on veut voilà quelque chose, il faut réapprendre à se confier à lui. Mais cet ange gardien, de toute façon, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il ne nous juge pas, il ne juge pas nos pensées, il ne juge pas nos actions. Au contraire, il va essayer au mieux de nous guider à travers les différents chemins qui se présentent dans notre vie. Il va nous soutenir dans nos choix, il va nous soutenir dans le chemin sur le chemin que l'on va emprunter. Donc, il est là pour effectivement pour nous accompagner dans notre mission de vie sur la terre. Donc, il veut nous, là ici nous faire savoir que malheureusement, toutes nos demandes ne sont pas réalisables, elles dépendent vraiment de notre mission de vie. À partir du moment où elle va être en accord avec notre mission de vie et ce que nous devons accomplir et ce que nous devons être, il n'y a pas de raison, il faut juste faire confiance et il faut juste être patient parce que notre ange gardien est en train de nous dire qu'il nous entend. Voilà. Donc si on reste en accord avec nous-mêmes, si on reste en accord avec notre mission de vie, avec notre chemin de vie, évidemment, si demain on me demande une Lamborghini, je ne suis pas sûre qu'elle soit devant ma maison. Hein. Mais voilà. En tout cas, en restant en accord, je plaisante, mais en restant en accord avec nous-mêmes, avec ce que notre objectif premier, notre mission terrestre, on est de toute façon écouté et exaucé avec un peu de patience. Voilà, voilà pour cette journée de mardi, le petit conseil positif de la part des anges gardiens. Donc merci, merci à vous d'avoir écouté ce petit message. Merci à ma case soignant. Je n'applaudis pas à ma fenêtre, voilà parce que je suis un peu isolée. Mais voilà, merci en tout cas à toute ma case soignant, qui que vous soyez, qui travaillez pour nous. Et puis comme d'habitude, si vous êtes confiné, si vous n'avez pas besoin de sortir, eh bien restez chez vous. Voilà, c'est bientôt fini normalement. Allez, je vous souhaite de passer une bonne journée de mardi et je vous dis à demain pour une nouvelle carte de communiquer avec son ange gardien. Voilà, bonne journée. Au revoir.